Salut tout le monde, c'est Kiroex, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de League of Legends. Et cette fois-ci, nous sommes 5. Alors, nous sommes 5, je suis dans une TS sur une salle de streaming et on se connaît tous, enfin tous ceux qui sont avec moi bien sûr, puisque nous sommes une équipe. Et nous allons nous fighter donc contre une primate de 5 personnes. Donc nous avons Sergent Shade, sur Lux Mid, j'imagine, Tristana. Dragonir, donc un super skin avec Corgi qui sera donc ADC, Alistar en support par Vodka Crisis et bien sûr Vamos qui sera en top lane avec Riven et qui se fightera d'ailleurs probablement contre, bah en fait on ne sait pas, soit ce sera Zed, soit ce sera Annie, puisque bah, visiblement les deux n'ont pas su se décider, parce que je sais pas, moi j'ai tendance plus à voir une Annie mid qu'un Zed, mais bon, donc soit ce sera un Zed top, soit ce sera une Annie. Ou alors un bard, bref. Non, je pense que le bard sera support. Bref, la game vient de commencer, c'est parti pour une séance de massacre. Hop. Alors, on va prendre 3 popos comme d'habitude, voilà. Et on va commencer au raid, je le signale, hop. Ah, quand je dis commencer au raid, c'est commencer avec le raid, bien entendu, ça je l'ai. Il est trop fun le skin de Tristana, oui, je suis en dragon. Surprise. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Donc excusez-moi si je tousse pendant cette vidéo, je suis un peu malade. Mais bon, c'est pas grave, ça devrait passer. Oh, une faille. C'est parti. J'ai failli poser une ward. C'est bon. Avant l'apparition. Qui veut se battre contre moi? Donc je vais vérifier un petit détail, histoire que vous entendez ma voix. Plus que le son du jeu, c'est quand même un peu mieux, je dirais. Après, je dis pas que ce que je dis est forcément intéressant, mais bon, je réglerai ça au montage, ce n'est pas grave. Oui, le ping. Si tu veux. Lux qui se balade. Des sbires sont apparus. Donc j'ai préféré ne pas être tous sur la dans la même salle, parce qu'à mon avis, ce serait un sacré bordel auditif. Dans le sens qu'on n'arriverait pas à savoir quelle voix correspond à quelle personne. Voilà. Histoire d'éviter les présentations ennuyantes qui plus est, nous allons directement faire cette vidéo en solo, en solitaire. Sauf que je ne suis pas seul. Allez, c'est parti. Allez, venez. Attention, ça va être une game de LCS, ça va chier les bulles. Ou pas. Alors au passage, inutile de juger comment les autres jouent et comment je joue surtout, en l'occurrence puisque c'est, voilà, ça va être ma vidéo, etc. Tout ça pour dire que je ne joue, je ne me prétends pas très bon joueur, ni bon joueur d'ailleurs. Et donc du coup, inutile de me dire dans les commentaires, ah tu joues Jax, c'est une grosse merde, tu sais pas jouer d'autres persos, tu sais pas jouer des personnages pilés, etc. Bah figurez-vous, d'après Riot, les 5 personnages les plus faciles à jouer ne sont pas Jax, Maître Yi, derrière, etc. Tout le bordel. Les personnages le plus faciles à jouer, a priori, hein, d'après Rito, je tiens à préciser, ou plutôt d'après le saviez-vous version LOL, il s'agirait de Morgana, Xin Zhao, Varus et d'autres champions. Enfin, les deux autres champions, je sais plus lesquels. Miss Fortune et encore un autre, mais je me rappelle plus du dernier. Bref, voilà, des réponses de Rito très troublantes, je trouve, parce que on a toujours eu l'habitude d'entendre ouais, Maître Yi, c'est super facile à jouer, etc. Ou Garen, hein, d'ailleurs, par exemple, et bah, figurez-vous que non. Ça paraît, mais. Enfin bon, après. Encore une fois, c'est la vie de Rito. Hein. Je ne suis pas de cet avis de la pluie, je vous rassure. Hein. Et je pense que personne ne le sera. Alors, est-ce que je vais. Alors, du coup, oui, comme on a pu laisser un Z-top contre une Riven. Et le Lee Sin qui gagne déjà. J'aurais dû regarder sa vie, ça m'aurait peut-être interpellé. Oui, je suis de retour. Je dirais que il va. Prêt pour le combat. Ah, qu'est-ce que je disais, Yotap? Alors oui, très important, hein, les... je vais vous qualifier de noob, les joueurs qui ne savent pas jouer, voilà, je suis un gros connard, oui, oui.
je prétends savoir jouer. Allez, venez. Eh bah non. Ah là là, ça s'appelle un coup de chat. Un allié a été tué. Surprise. Has been slain. Bon bah c'est bien parce que du coup on a pu avoir le premier sang avant eux. C'est parti. Marqué, je vais attendre un peu et voilà maintenant. Laissez-moi faire. Ah, c'est pas que j'aurais. Ouais, voilà, c'est pas que je voudrais pas gank, hein, mais c'est que j'ai plus de vie en fait. Partir sur une dévo, ouais, hein, classique. Le grand classique. Ah, je me rajeune pas full là, je suis en retard. Vous aussi, ne faites pas comme Jax. Alors c'est marrant, parler de J, ça fait axe. Alors soit ça fait H en anglais, soit ça fait le. Qu'on s'appelle le vaporisant axe. Ouais, d'accord. Laissez-moi faire. Bah, j'essaie de combler. Hein. Je suis payé pour ça. Allez hop, c'est parti. On va tenter un Goku top. Allez hop. Toujours important de. Ok bah. Ah oui, mais si tu me pinges en mode. Surprise. Alors, est-ce que ça valait le coup de me faire ça, hein? Hein, Goku? Non. Allez, venez. Je vais te ward ici au cas où, mon petit. On sait jamais si je peux t'aider. Est-ce qu'il est en train de faire le caca rapporteur? Oui, oui, le caca rapporteur, c'est rigolo. C'est à mon tour. Il a bien joué le Silicone, n'empêche. Un peu plus si je mourrais. Prêt pour le combat. Alors là où tout se joue entre deux junglers, c'est souvent sur les objectifs, figurez-vous. C'est pas forcément le but. Enfin, le but n'est pas forcément de gank H24, de faire. Voilà, des choses comme ça. Le but pour un jungler, pour moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est soit entre guillemets invade, quand je dis invade, c'est-à-dire counter jungle, c'est-à-dire vous avez un jungle adverse et vous essayez de le tuer. Malgré que là, en l'occurrence, ce soit Lee Sin, donc c'est très peu recommandé, puisque Lee Sin a un très bon early. Et d'un autre côté, c'est de prendre les objectifs, à savoir le dragon, le petit baron, parce que d'un mois. Et donc. Récupère un maximum d'objectifs pour aider votre votre équipe, vos coéquipiers. Je pourrais pas rattraper ça. Je ne pourrais pas. I am too slow. Allez, venez. Ouais. I am too slow. Prêt pour le combat. Bon, pour l'instant ça commence assez mal, on se fait littéralement rouler dessus. C'est parti. Oh l'enculé. Oh oh oh, c'était beau. Ça c'est ce qui s'appelle un... Branded, ouais, non. Bon, hormis le SS, je veux dire, c'est pas grave, dans le sens que moi je pensais qu'il y avait qu'un dard dans le bush. Ça, c'est littéralement un nice play. J'aurais tendance à dire. Donc, entre guillemets, vous appelez ça un bon strap ou comme vous voulez. Toujours est-il que c'était un joli move de sa part. Je ne peux pas prétendre que la mythe est dans le bush. Sauf si je vais vérifier éventuellement la mythe, chose que je n'ai pas faite. Là, je dis que Vamos avait évité un beau gang de Lee Sin qui a voulu le ult, mais qui n'a pas pu réussir à passer
au QQQ spell de Riven, c'est fantastique. Je t'en précise QQQ parce que enfin sur le A pardon. Excusez-moi, je retranscris en anglais pour ceux qui ont clavé en QWERTY. Donc le Q c'est le A. Le A c'est le Q. Là. Allez, venez. Hop là. On va retenter un gank. Surprise, je suis de retour. Alors n'empêche, j'ai jamais vu autant de autant de coups partir en même temps pour la Riven, j'avoue, c'était QQQZE en même temps, mais à la millième de seconde près. C'est fantastique à voir. C'est à mon tour. Pardon, il y aura beaucoup d'insultes pendant cette game. Vraiment beaucoup. Prêt pour le combat. Oh l'enfoiré. Bon bah pour l'instant c'est lui qui domine la game, que ce soit en score et en objectif. Alors, qui c'est qui... Ah c'est la botlane qui a vraiment besoin d'aide. D'accord, en même temps, oui. C'est parti. Oh oh oh. Ouais, on va éviter, ils sont trois. Just farm. Prêt pour le combat. La Riven qui s'est fait démonter par le Z visiblement, je n'ai pas vu comment. Allez, venez. Laissez-moi faire. On aurait pu faire clic droit sur les monstres. C'est la fin du monde. Surprise! Je suis de retour! Par contre, ouais, j'aurais aimé quand même qu'il y ait un support pour le pauvre ADC. Parce que là. C'est parti. On a une vodka qui roame. Un peu. La botlane est lourde. Laissez-moi faire! Ah, un vodka qui sert pas à grand chose. On va faire donc des bottes de vitesse et on va partir sur l'établi parce qu'ils sont particulièrement AD sauf notre ami support et notre ami Annie. Je l'appelle tout le temps Xanto, alors qu'en fait c'est Bard. Genre je l'appelais support. Surprise! C'est remontable, hein, c'est remontable. Ça va être très dur, mais c'est remontable. C'est parti. La vachette. Laissez-moi faire. Un allié a été tué. Ouais,
Venez. Bon. Hein, coucou. Ah, dommage. Je suis non. À moins que. On y croit. On y croit. Tristana, viens m'aider. Laissez-moi faire. Je crois que la boîte là elle est morte. Oh, ce jeu. Prêt pour le combat. Il aurait fallu que je tente un truc, mais. Allez, venez. Un allié a été tué. C'est parti. Non mais là non. Vous en étiez pas du tout coordonné. Il aurait dû mettre son son espèce de son bum quand j'étais à portée. Mais bon, tant pis. Dommage hein, parce que autant le slow il l'avait mis au bon moment, même si je doute qu'il l'ait fait exprès. Parce que ben, il peut pas prévoir quand est-ce que Annie va ult. Mais bon. Si je m'engageais comme ça, j'avais trop envie de mourir en mode hashtag YOLO. Je préférais ne pas donner un kill supplémentaire à la pauvre Annie qui a déjà gagné ses deux premiers kills comme ça. Ah, la catastrophe. Oh, joli. Moins joli. Oh joli. Cette Riven qui vend du rêve. Cette Riven qui a une chatte de ouf aussi, je sais pas. Allez, venez. Cette Riven quand même. Ouh là là. C'est ça que je déteste avec ici. Vous pouvez pas l'engager sans qu'il vous ulte. C'est impossible de le hindre. Enfin, c'est impossible de le hindre dans le catégorie où il arrivera toujours à se barrer. Tiens, préciser. Moi je dis, il va falloir faire le rêve. Médium. Non mon coco, le raid a déjà été fait. Non pas du tout, c'est juste que tu l'avais. Ils peuvent rien faire. Prêt pour le combat. Ah, c'est pas la même compo que tout à l'heure. Je j'ai pas vu de personne. Alors ça c'était très con de la Annie qui s'est retournée. Ok. Je sais pas comment son Q-spell fait autant. D'accord, il lance. Okay. Je pensais pas qu'il avait autant de kills. Donc la game va probablement se jouer sur Z. Kalista et Annie, sachant que Annie, peu importe si c'est feed ou pas, en light ça fait super mal. Et nous, nous avons Tristana qui en light peut faire de lourds dégâts, Alistar qui est toujours utile, malgré ça, Lux qui va faire très mal en late, Jax également et Riven. Alors là, n'en parlons même pas, ces dégâts sont déjà abusés alors qu'elle est en score plus ou moins négatif. Toujours utile qu'elle fait des belles plays. Hein, des beaux plays. C'est parti. Ce qu'il m'aurait fallu, moi, c'est le Drake. Pour éventuellement booster mon esprit du dévoreur. Surprise. Mais bon, le problème c'est que risquer de faire un break, c'est aussi risquer de le donner.
viens là, viens là. Oh la connasse. Bon alors là par exemple c'est ce que j'appelle un move. Ouais. Si t'aurais pas flash, tu te serais fait avoir. Tu sais, tu peux pas te faire avoir. Si tu recules, ne recule surtout pas. Voilà. Enfin, ne te retourne surtout pas, surtout ça. Je n'irais pas dans ce boss si j'étais vous. Une nanny qui back ou qui fait semblant de backer, c'est jamais bon signe. Préalable. Ah, voyons. Qu'est-ce que j'avais dit? Heureusement que j'ai ping, hein. Deux fois en plus. Jax, c'est trois fois. Allez, venez. Merde. À qui le tour? Un allié a été tué. Prêt pour le combat. Votre tourelle a été détruite. Évitez la cité 3. Je l'ai fait les dernières secondes. Non, je ne surrender jamais. C'est moi, c'est ce que je prétends en vidéo. Et oui, je suis un sacré menteur. Alors, je regarde ce que c'est que je surrender. Je suis de retour. Ça risque d'être une belle game, même si on risque probablement de perdre. C'est ça que je trouve un peu dommage sur League of Legends, c'est qu'on n'a jamais de véritable bataille. C'est soit on perd, soit on gagne. On le sait aux premières minutes de game. Oh. C'est vraiment la Kalista qui... On n'avait pas de Jax non plus. Après, ils ont un gage. C'est à mon avis, la Tristana va mourir. Laissez-moi faire. Je sais que ça arrête pas les shurikens, mais bon, on a le droit de rêver. Mais bon, c'est bien parce que du coup, j'ai trappé Z sans le voir. Oh, il va s'en sortir le petit coquin. Alors là, par contre, tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai horreur. C'est pas le problème de KS, hein. C'est ul pour 1 PV. Il était mort à une auto-attaque, à un chatouille, à tout ce que tu veux. Pourquoi avoir ult? T'as juste gâché un putain d'ult qui aurait pu te sauver la vie, quoi. Surprise! Je suis de retour. Un allié a été tué. Un truc à fond, c'est déjà ça. Allez, venez! Thank you.
mais non. Sérieux, ça c'est relou. Ma troisième auto-attaque n'est pas partie avec mon Z, sachant que j'ai déjà mon dévoreur. Techniquement, ça aurait dû passer. Mais non, je sais pas pourquoi mon auto-attaque ne s'est pas fait. Enfin, mon passif de mon ultime. J'ai donné un coup et techniquement avec ma dévoreur, le deuxième coup est censé être le coup de l'ultime, le coup du passif, mais il s'est pas fait. Je ne sais pas pourquoi. On va aller se fondre la mâchoire tranquillement. Ah. Prêt pour le combat. Ils peuvent peut-être pas le faire. Oh. C'est parti. Je comptais pas te le prendre. Mais bon, tu me le fais repenser. Laissez-moi faire. Ah, 760. Votre équipe a détruit une tourelle. Toi, j'éviterai de m'aventurer près du Z. On va faire le camp, hein. Laissez-moi rien dit. Faire. Allez, venez. Un allié a été tué. Il y en a un mort. Oh, joli. Belle intervention. C'est parti. Alors le Z est un peu tank, je trouve. Prêt pour le combat. Laissez-moi faire. Voilà, l'idée du siècle. Rappelez-moi, c'est qui a eu cette idée de génie? Tristana. L'idée de génie, en l'occurrence, c'était de détruire une tourelle full life en tankant. Avec un Z en life. En gros. D'ailleurs, mais je comprends pas le stuff de cette. Enfin, je veux dire. What? Je comprends pas en ce moment, c'est la mode de jouer avec des bugs de célérité. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours remonter. Xanto, non. Alors, je tiens à préciser, si je l'appelle Xanto, c'est parce que Zelda Twilight Princess m'a traumatisé. Non, j'ai quand même pas traumatisé, mais voilà. Donc, c'est qui se demanderait éventuellement. Oh. Oh, c'est risqué. Oh, c'était très bon. C'est risqué, donc c'est très bon. Bon, faut avouer que les aide pas beaucoup. Enfin, nous aide beaucoup, du coup. Allez, venez. C'est parti.
Ouh, l'enfoiré. Bon, après je dis ça, il est level 17. Oh, cette magnifique... cette cage de PG. Enfin bon. Pas mal. Là, franchement, c'est ce qui a permis de sauver Riven et de faire un joli retournement. Ouh, situation, attention, la Riven qui tente quelque chose avec sa blessure. Ouh, le sauvetage de Lux encore une fois par le tankage de la tourelle. Lux qui va prendre, à mon avis, qui va en payer la vie. La coche du Z. La Riven. Ah, la Riven, pourquoi? Pourquoi? Eh, ouais, franchement, c'est. C'est en quelque sorte, c'est magnifique. Oh, oh, oh. Oh là 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 là. Voilà, même si c'est dans la défaite, je tiens à dire que c'était quand même un magnifique play de la Lux et de Riven. Et de Alistar, bien entendu. Mais, je veux dire, malheureusement, en tant que support, on ne fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est un beau play. C'est dommage parce qu'à chaque fois, ils ont réussi à s'en sortir. C'est parti. Ça, c'est un autre problème. J'ai un flash. Oh, tu l'as. Allez, venez. Laissez-moi faire. Oh oh. Prêt pour le combat. Il était prêt dans les parages. Oh, cet engage de Riven. C'est parti. Prêt pour le combat. En attendant, je vais faire le break, solo. Laissez-moi faire. Il y en a qui tente de me le KS, hein. Je suis de retour. Bon, la game commence à se retourner en quelque sorte en notre faveur. Et j'aurais envie de dire que si je devais désigner le tournant de la game, ça a été le moment auquel ils ont décidé de faire le Nashor et qu'ils ont malheureusement pas réussi visiblement à le faire, puisque la Riven aurait pu récupérer tous les prix. Elle en a récupéré, je crois, deux dans mes souvenirs. Deux ou un. Bref, dans ces eaux-là, il n'a pas pu faire un test malheureusement. Ils n'allaient pas se donner non plus. Bref, nous commençons à regagner cette game. On va retourner. Plus français. Nous aussi, luttons contre l'orthographe qui ne doit pas changer. Enfin, moi je dis ça. Je suis de retour. Ce que j'en pense réellement. Et oui, dans mes vidéos, on parle aussi de politique. Êtes-vous pour ou contre cette réforme? Écrivez-le dans les commentaires. Partagez, vous gagnerez peut-être une place pour le Parlement aussi. Marquerez l'histoire. Laissez-moi faire. Barbare. Alors là, par contre, c'est un très mauvais truc qui se passe. Comme une brute. Surprise! Je suis de retour. Inhibiteur a été détruit.
putain d'enculé. Oui. J'ai voulu backdoor, blablabla. Bref, c'était mon petit moment de kiff. Toujours est-il que S-Worst à la finale. Alors par contre, j'ai pas compris comment la Tristana est morte, c'est dommage. Toujours est-il qu'on a réussi à récupérer la même chose qu'eux au bot avec une tourelle en mid en plus. Sauf que eux ils peuvent éventuellement se faire le nashor. Je sais pas ce que mon équipe en a pensé de mon move, mais c'est pas grave. Si jamais on perd, j'arrête ses cartes. Ça, c'était bon. Ça, ça l'éteint. Et ça sent le stun. Oulalalala. Ce place. Alors là, j'avoue quand même, Xanto, t'as bien joué. C'était beau. Oui, le stress monte. Nous voulons gagner, nous voulons prouver notre valeur aux yeux des youtubeurs, nous voulons devenir forts, nous voulons participer, non, nous ne voulons pas participer, enfin je crois pas, ouais, c'est du monde. Bref, on s'en fout, nous ce qu'on veut montrer, c'est du spectacle. Sur League of Legends, il y a toujours le moyen de faire le spectacle, du spectacle, de créer, bref. Prêt pour le combat. J'ai comme envie de dire fiu. Excusez-moi pour le vent. Oh le jeu de touch. Non. Putain mais Tristana je te déteste. T'aurais pas ult, je l'aurais bondi dessus et on l'aurait stun. Voilà on aurait tué. Allez venez. Tu as voulu que le sort de vous aide. Alors moi je dis que c'est quand même dommage que... Ah dommage, par contre Z est parti loin, parce que sinon... Je pense qu'il aurait pu faire la vie. Parce que c'est vrai que quand on part, on fait un peu... Fuck. Je faisais le mec. C'est pas grave. Voilà encore un beau play d'équipe j'ai envie de dire hein, parce que je l'aurais pas gagné tout seul et ils n'auraient pas gagné sans moi je vais vous dire. Et bah pour eux bah ils ont bien joué. Bonheur à vous. C'est une belle victoire. Et c'est une belle défaite. Voilà cette vidéo de LOL là. En normal game, enfin bref, en l'occurrence, touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre pour nos futures vidéos. Je dis nous parce que, bah, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes 5. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!